Imhotep, Bekanefer, soyez les bienvenus ici hors du temps et de l'espace, c'est une rubrique du Père Ankamte Uti Society. Aujourd'hui, comme de notre constitution de chaque fin de semaine, après nous être retrouvés hier soir, sire, avec les Raouetés, oui, bien nous voici ce samedi après-midi, ce samedi soir. Hein? Un samedi soir de quarantaine, c'est hors du temps de l'espace. Là derrière, le temps est merveilleux. Pour une rareté en Écosse, il fait beau. Il fait très beau d'ailleurs. Le soleil est en train de pipeter. Mais voilà, nous sommes en quarantaine. Forcés à rester dans nos maisons comme des petits rats. Doua Netcher à vous qui nous suivez, doua Netcher à ceux qui rejoignent chaque jour le Père Ankamte Uti, qui adhèrent à nos idées. J'aimerais ici par commencer en disant que nous sommes en train de réécrire une phase importante de notre passé. Nous sommes en train de briser les chaînes qui nous ont maintenus dans une forme d'esclavage spirituel. Et c'est pourquoi les thèmes que nous affrontons ici sont plutôt choquants. Ils vont contre tendance. Et il est faux, justement. Il est faux, justement, parce que nous devons, pour comprendre où nous devons aller, nous devons comprendre où nous avons été, où nous sommes. Si nous n'arrivons pas à comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et la situation qui a caractérisé les 300, 400 ans, peut-être plus, de nos vies passées, eh bien, il nous sera difficile de trouver la liberté. Le titre de ce soir a à faire avec la notion d'être sauvé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister, nous avons assisté à l'impuissance des religions dites quote en quote révélées. Les religions révélées qui ont des forces et non des grès imposé un système religieux différent au peuple mélanodin, parce que la religion apporte avec elle une culture. La religion appartient à une culture. Et ceux qui ont adhéré aux religions étrangères, aux religions révélées, sont adhérés à ces réalités en tant que civilisation, à ces réalités en tant que culture. C'est pourquoi j'ai dit souvent, on est peut-être tous des mélanodermes, mais nous ne sommes pas tous des Koutes Kamit Congo, parce que pour être un Koutes Kamit Congo, c'est une voie de vie, c'est une manière de vie. Ce n'est pas l'identité phénométype, celui de la couleur de la peau qui font de nous des Koutes Kamit Congo, mais c'est le modèle de vie que nous adhérons. C'est notre éthique, c'est notre morale. C'est notre compréhension, c'est notre action en tant que contribution au Koutes Kamit Congo. Quand vous êtes membre d'un club, vous devez contribuer, vous devez faire des versements mensuels ou annuels, si je ne me trompe. Eh bien, quand vous vous arrêtez de faire des versements mensuels, selon les contrats stipulés à l'adhésion d'un club, d'un groupe, eh bien, vous n'êtes plus membre. La carte des membres vous est retirée ou dès qu'elle est périmée, on ne vous donne pas une nouvelle carte des membres. Eh bien, quand on appartient à une culture, on a l'exigence et le devoir d'y contribuer sous retrait de cette adhésion. L'on est noir. On est des phénotypes mélanodermes. Mais pour ce qui est de la génotype Koutes Kamit Congo. Le Koutes Kamit Congo n'est pas un phénotype, mais c'est un génotype.
Pour ce qui est du génotype couche kamite Congo, eh bien, il y a une condition, il y a des conditions. Les conditions sont celui de la contribution dans les développements, dans les progrès civilisatoires, culturels, couche kamite Congo. Et quand ces éléments viennent en moins, d'autant plus que les lois que je suis en train d'énoncer ont valence cosmique, eh bien, on est rien. C'est ainsi que nombre de couches kamite Congo séduits par les fanfares des religions révélées ont, par l'entremise de leur adhésion à ces religions, abandonner leur propre champ culturel et sont allés enrichir les autres cultures en leur servant d'esclaves ou des pieds des porcs. Eh bien, ces personnes-là, qui peut être n'importe qui d'entre nous, n'appartiennent plus au génotype couche kamite Congo parce que ils n'ont plus contribué. De qui je suis en train de parler? Je suis en train de parler de ceux qui considèrent l'Afrique comme leur cimetière. Ils ont des comptes bancaires partout en Occident et en Orient. Ils ont des maisons partout en Occident, en Orient. Dès qu'ils se sentent malades, c'est en France ou en Italie, aux États-Unis, où ils font se faire soigner. Leurs argents sont dépensés en Occident. Ils contribuent en Occident, mais dès qu'ils meurent, ils veulent qu'ils soient être enterrés en Afrique. Je suis parlé de tous ceux-là qui travaillent. Hein? Je parle de tous ceux-là qui ont travaillé en Occident et ont fait de l'Occident jour après jour. Et dans cette catégorie, je mets tout le monde. Moi-même, y compris pendant des années, sans jamais avoir rien versé au monde, à la civilisation et la culture couche kamite Congo. Nous avons un manque de développement non dû à un manque de versement ou de contribution ou d'investissement économique. Parce que c'est ça l'argument que nous disons. L'Afrique n'est pas développée dans le sens que nous le concevons parce qu'il n'y a pas eu assez de développement, il y a eu des tournements, non. Il y a eu manque d'investissement de la part de tout un chacun d'entre nous. Parce que nous n'avons plus investi dans la culture couche kamite Congo pendant que tout le monde était en train. Les Français ont investi dans la... parlons de la France, ne parlons pas des Gaulois. Les Français ont investi dans la culture française. Nous avons l'Académie de France, les arts culture françaises et ainsi de suite. Les Italiens, tout le monde a fait ceci, sauf chez nous. Et aujourd'hui, la difficulté qui s'en dégage, le manque de protections qui s'en suivent aujourd'hui à l'événement de cette vaccination, imposer des droits il y a quelques mois, peut-être, cela m'est revenu à l'esprit dans une émission, je dis, en faisant un examen sommaire aujourd'hui, si on devait faire une guerre, à qui on la ferait? Qui est aujourd'hui l'ennemi que l'on peut attaquer et battre sur? Eh bien, c'est l'Afrique. Même des tout petits pays comme les Corées du Sud, les Corées du Nord ne sont pas attaquables. Les États-Unis ne peuvent pas attaquer la Corée du Sud 100% en sortir avec les genoux blessés. Nous sommes restés à ce point-là. Nous sommes la seule nation du monde
que tout le monde est sûr que s'il attaque, il va les battre. Ça, c'est une vérité. Sur des points militaires, nous sommes la seule nation du monde. Et je parle du monde moderne entier. Que tout le monde sait que si nous les attaquons, nous allons les taper et nous allons gagner à coup sûr. Pourquoi cela? Pourquoi cette faiblesse? Eh bien, la faiblesse n'a rien à voir. La faiblesse, cette faiblesse structurelle n'a rien à voir avec le détournement des fonds acquisés à telle idée au plus qu'une autre. 100 personnes, mettons même 1000 personnes, ne sont pas assez pour mettre à genoux l'Afrique de manière où elle est aujourd'hui. 10 000 personnes qui volent chaque jour, 10 000 personnes qui volent chaque jour en Afrique, ne sont pas assez pour la mettre à genoux de la manière dont elle est aujourd'hui. Pour que Kama soit aujourd'hui ce qu'elle est devenue aujourd'hui, il faut la contribution de tous les mondes. Et tous avons contribué pour que Kama soit aujourd'hui sans défense. Pour que Kama soit aujourd'hui sans nourriture. Pour que Kama ait acquis un manque de développement structurel, social, économique. Il a fallu et il est nécessaire la contribution de tout et chacun d'entre nous. Et j'aimerais que l'on comprenne très bien ce point ici. Quand je dis tout et chacun d'entre nous, moi je suis incompris, y compris. Hein? C'est pourquoi je suis en train de dire, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une insulte. Parce que souvent chez nous, malheureusement, c'est ça, on comprend les choses très personnellement. Et donc, je me mets à l'intérieur. C'est une analyse que je suis en train de faire. Nous sommes en famille. Ou bien, pour que Kama soit aujourd'hui là où elle est, que l'on ne vous trompe pas qu'on vous dise tel président que au bon mot s'assoit, voler de l'argent. Non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et pour preuve, je vais vous dire que dans l'ancien monde, l'Afrique du Sud a été, le territoire de l'Afrique du Sud a été le territoire le plus exploité du point de vue de l'extraction de l'or. Dans l'époque de Enki et Lil, on a pendant des centaines d'années exploité de l'or. Mais l'Afrique du Sud est encore riche, comme si on n'avait pas exploité de l'or du tout. C'est quoi? Pour pouvoir réduire Kama, l'Afrique, Ethiopia, Kachopia, à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, il y a fallu la contribution de tout le monde. Comment avons-nous contribué? Et la question que vous devez me poser. Comment avons-nous contribué à cela? Eh bien, nous avons adhéré à des philosophies malades. Et la philosophie malade numéro un, que nous y avons adhéré sans comprendre, sans l'analyser, sans voir ce qu'elle aurait comme conséquence au produit. Eh bien, c'est l'idéologie chrétienne du salut personnel. Dans la chrétienté, il est dit ou redit par l'entremise du Christ qui parle, que le salut est personnel. Eh bien, on nous a appris ça. Très drôle, vous savez, je vais vous raconter une chose. Pour essayer de comprendre, de vous expliquer l'implication de cette simple phrase. Beaucoup d'entre vous vous direz, mais c'est une phrase. Je vais vous expliquer les implications sur les phrases. Je fais l'école maternelle en langue française. Vous savez, les Zaïre étaient une colonie, nous sommes dans le Congo, une colonie belge. Donc, nous avons reçu l'imposition d'une culture belge, française. On étudiait en français. Et j'étais censé parler le français. Et je pense que je parle le français. Mais le français que je suis en train de parler n'est pas un français culturel, c'est un français académique.
C'est-à-dire, j'ai été appris un français sur base du dictionnaire, pas un français culturel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je ne pouvais, mon champ de compréhension du français était limité aux choses qu'il y avait derrière moi qui existaient dans mon monde. C'est ainsi qu'en allant à l'école maternelle, il y avait une chanson qu'on chantait à l'école maternelle, ma samba, délimitée. La chanson disait « Oh, fait les pompiers, la maison qui brûle, ce n'est pas moi qui l'ai brûlé, c'est les jardiniers. » Vous connaissez la chanson. Et tous ceux qui ont grandi en Afrique centrale, au Congo, je parle d'Isaïe, Congo Zaïre, connaissaient cette chanson-là. J'ai pensé, cette chanson-là, je l'ai répétée des millions de fois. À l'école maternelle, la chantait tous les jours. C'était un refrain dans ma tête. J'ai passé toute mon adolescence en me souvenant de cette chanson-là. Mais seulement, je n'avais jamais compris la signification. Parce qu'on disait, on chantait, on fait les pompiers, ma bien. Alors, les pompiers, ok, c'est lui qui va éteindre les feux. Ou bien, au Congo, on n'avait pas cela. On n'avait pas de pompiers. Je suis en train de parler, je suis né en l'année 79. Et je suis entré à l'école maternelle, c'est-à-dire aux années 85-86. Jusqu'au 87 peut-être. Et moi personnellement, je n'avais jamais vu un pompier. Aucune idée. Et mais j'ai chanté la chanson. Et la chanson, bien que je la répétais, ok, bien que je répétais mot par mot de la chanson, dans ma tête, je n'y comprenais absolument rien. Ok? En fait, on dit j'aime Ophélie Pompier. Mais Ophélie Pompier, je n'avais jamais compris cette phrase. Vous savez quand est-ce que je l'ai compris? J'ai réalisé la signification de cette chanson-là il y a moins de 3 semaines. Ou à la télévision, l'enfant était ici à la télévision en train de regarder les dessins animés. Et dans ces dessins animés, maintenant, il y avait un vidéo d'un camion de pompiers, et puis on chantait la chanson « Oh, fais les pompiers ». Ça se m'a dit « Ok, c'est ça !» C'est que cette chanson qu'on chantait à l'école maternelle, il y a plus de 40 ans, je ne vais pas exagérer, il y a plus de 35 ans. Ok? Il y a plus de 35 ans que j'ai écouté cette chanson-là, et je n'avais jamais compris la signification. C'est ça, quand on dit la langue académique et la langue culturelle. Et je vais aller dedans. La chrétienté affirme que le salut est personnel et individuel. Et on a commencé à répéter cela. Et cela a transformé notre psyché sans que nous comprenions en réalité les implications de cette phrase. Quelles sont les implications de cette phrase? Eh bien, les implications de cette phrase est la mort dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la difficulté aujourd'hui. Et cette difficulté que nous accusons aux autres sans pourtant la reconnaître sur nous-mêmes. Parce que nous avons une défaillance dans la lecture des causes. Le salut est personnel. C'est la cause de toutes les situations dramatiques dans lesquelles nous sommes passés par aujourd'hui. Parce que cette phrase-là signifiait la mort de la communauté. Parce qu'à ce moment-là, le salut est personnel et loge l'individualisme. On rentre dès que la chrétienté s'installe chez nous, dès que les religions révélées s'installent chez nous, on éloge les salut individuel, eh bien on se détache de la communauté. On se détache de la communauté parce que chacun est convaincu de voir et pouvoir se sauver de lui-même. Cette désagrégation, la désagrégation sociétaire produit le chaos. Et le chaos est la nature de la pauvreté. C'est ainsi que nous nous sommes embarqués dans une philosophie qui, lui, ne pouvait nous conduire que là où nous sommes arrivés aujourd'hui.
Nous avons manqué des raisons. Il nous suffisait et nous devons aujourd'hui regarder la nature et voir comment la nature contradit par son fonctionnement les salives individuelles. Un seul doigt. Ne dit pas-t-on dans la tradition Congo qu'un seul doigt ne lave pas le visage. Il en font cinq. Chaque fois qu'on évoquait cela, c'était pour dire, écoute, il y a besoin de l'autre. Certes, tu ne perds rien. Un seul homme ne peut pas s'échapper d'une prison. Il faut un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Deux têtes vaut mieux que un. Ce sont des expressions qui sortent de la sagesse, mais l'anodère. Mais regardez dans l'application. Vous ne verrez jamais un animal marcher seul. On ne va jamais au champ seul. On ne va jamais au marché seul. On est toujours accompagné. Il n'y a pas un homme qui se plaît à être complètement tout seul. Toutes les personnes veillent une compagnie. On veut une compagnie. Pourquoi veut-on une compagnie? Parce que seul, on est mal. Mais si on est mal, on est seul. Comment cet individualisme peut être une salvation? Parce que quand on dit les salis vient du latin, la salute, c'est-à-dire la bonne santé. Et cette locution se réfère à être sauvé. Qu'est-ce qu'on entend ici par la salute, les salis, hein, les salis? Les salis, c'est-à-dire avoir une bonne vie. Le salis est en relation à avoir une bonne santé. Ce n'est pas, le sali signifie beaucoup de choses. C'est un terme qui englobe beaucoup de choses. Le sali signifie la réussite. Le sali signifie la réalisation. Le sali signifie le progrès. Un ensemble de choses qui garantit le développement de l'être. Et vous pouvez, de par vous-même, réaliser que vous ne pouvez rien faire de tout cela tout seul. Vous ne pouvez rien faire de tout cela vous seul. Tout ce que vous avez autour de vous, depuis les habits que vous avez revêtus, jusqu'au computer ou télévision sur lesquels vous êtes, ou au téléphone sur lequel vous êtes en train de me suivre en ce moment, n'ont pas été faits par une seule personne. Parce que la loi de la nature, eux, la coopération et le soutien mutuel. La règle de la nature et la coopération et le soutien mutuel. Ça, c'est une loi de la nature. Et la nature veut dire « nature ». S'il existe, si une loi est de la nature, c'est la loi du nature. Rien n'existe en soi et pour soi de soi-même. Le tout est un générique composant des milliers de choses. Et donc, en ce moment-là, on peut commencer à voir comment adopter une philosophie selon laquelle le salut est individuel. N'est autre que ouvrir la porte vers les enfers. Et c'est dans ces enfers pour lesquels nos parents ont ouvert les portes que nous sommes, nous débarquons aujourd'hui. Un monde d'impuissance. Un monde où nous sommes voués à n'essayer, à ne plus que parler parce que nous sommes dépourvus de tous les instruments pouvant déterminer ou affirmer notre sens de puissance. Les autres peuples peuvent décider de faire de nous ce qu'ils en veillent. Nous sommes devenus la prostituée de l'humanité d'où n'importe quelle personne veut venir se décharger de toutes ses saletés et décider de la sorte.
Comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, c'est parce que nous avons adhéré sans réfléchir, sans consulter, sans prévision, sans programmation, à des philosophies fatales. Mais que les soi-disant soient individuels n'est que l'une, parce qu'il a ses petites, ses soubassements, qui sont par exemple laisser les morts enterrer les morts. Cette phrase-là, ou cette philosophie-là, a été absorbée seulement par les mélanodermes. C'est seulement chez les mélanodermes aujourd'hui, quand on te voit, par exemple, aller dans le cimetière, converser avec tes ancêtres, et bien tu es un sorcier. Pendant qu'aujourd'hui, en Occident, tous les autres dans le monde entier, eh bien, les cimetières sont à dire peu des endroits de célébration, de culte ou même des vacances. Dans certains pays du monde, il y a maintenant cette nouveauté de construire des hôtels aux côtés des cimetières. Des hôtels de vacances, où des familles vont dire, ok, on va aller voir, rester à côté des grands-pères pendant une semaine. Et ils vont prendre une prenotation dans cet hôtel-là, et de manière à ce que chaque jour, ils descendent, ils vont au cimetière, des grands-pères nettoyer, parler avec. Et ce sont les organes, les sociétés qui sont en train de gérer ces activités-là. On reste avec ces morts. On converse avec, mais on va même faire des vacances. Hein? On va en vacances et on va louer une chambre d'hôtel, un appartement dans un hôtel à côté du cimetière de ses parents pour être les plus proches possible pendant une semaine, deux semaines. Et voilà, au noir, on a dit que voilà, il faut abandonner tes ancêtres. Laisser les morts enterrer les morts. Dans certains pays asiatiques, nous avons vu maintenant, quand un parent est mort, on va maintenant où il y a la crémation. On fait la crémation, on prend les cendres. Certains vont se tenir ces cendres dans leur maison chaque jour. Et ils vivent avec. Non! Nous ne voyons pas ce qui nous a été dit parce que les prêtres disent « Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que j'ai fait. » Et ça, c'est quand quelqu'un dit « Faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que moi-même j'ai fait. » On sait qu'il s'agit d'un hypocrite. Eh bien, nous nous sommes bu toutes ces philosophies qui ont caractérisé notre fragmentation dans les plus petites molécules possibles. Tout ce que nous voulons, c'est faire, être différents des uns des autres. Et les salis est individuel. Si tu meurs, tu meurs. L'important, c'est que moi, j'ai vu. On est aujourd'hui prêt à faire du mal aux uns des autres. Pourquoi? Parce que c'est seulement ma vie qui compte à moi. Si je peux profiter de toi pour un bien personnel, vu que les salis est personnel, et quand bien mon action comporte des conséquences néfastes sur ta vie, eh bien je m'en fous complètement parce que ce n'est que mon sali qui est en jeu. Et avec cette philosophie et cette attitude, nous avons détruit Kamwa à l'os. Avec cette attitude, avec cette philosophie, nous avons éteint la flamme noire de l'Éthiopie. Et maintenant, aujourd'hui, qu'après avoir détruit tout ce qui nous servait de défense, et que ce monde qui était censé nous corroborer, nous renforcer, nous aider à nous voler, à nous développer technologiquement, pointe les armes sur nous et les seringues, désormais sans défense. Nous levons la tête vers le ciel. Nous levons la tête vers le ciel. Je ne suis pas en train de dire qu'il est trop tard. Je suis en train de dire que
Et cette philosophie-là, laisser les morts enterrer les morts, les salis est individuel, sont une équation ou font partie d'une équation d'ingénierie dont la somme ou les résultats arithmétiques ou logarithmétiques est la destruction des karma et de l'identité du génotype couche Kamete Congo. Donc, si nous voulons nous reconstruire, nous devons passer à ce qu'on appelle reverse engineering. Nous devons renverser la méthodologie. Nous devons renverser la technique. Nous devons être accompagnés de nos morts du matin au soir. Si les autres en font des hôtels pour aller y passer une semaine, eh bien nous, nous devons y être jour pour jour. Deux, le sali n'est pas personnel. Tout homme qui essaye de se sauver tout seul commet des péchés. C'est lui de mourir par stupidité et de lui d'avoir causé la mort des autres parce qu'en se désintégrant, en se séparant des autres, on crée une faiblesse dans les groupes. On pêche deux fois quand on obéit au principe du sali personnel. Je disais, un, on pêche la première fois parce qu'on va mourir de stupidité tout seul. Aucun homme n'est capable de survivre tout seul. Et deux, on pêche de la cause de la mort des autres parce qu'en se séparant des autres, on crée une faiblesse. Le sali n'est pas personnel. Le sali est collectif. Et ça, ce n'est pas Baba Kinke Laoma Zulukuf Shango qui dit ça. C'est la nature qui vous l'enseigne. Et chaque loi de la nature est une loi du nature. Et donc, c'est le nature qui parle à travers moi. C'est Aoussar, le ver qui parle à travers moi. Le sali n'est pas personnel, il est collectif. Et un homme non accompagné est un homme mort. Un homme mal accompagné est un homme mort. Un homme tout seul est un homme mort quand même. Nous devons être accompagnés, nous devons retourner. Mais comment les réaliser? C'est facile à dire, diront nombreux parmi vous. Oui, je les comprends, mais comment je les ferai? Il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun qui nous tient unis, c'est le monde spirituel. Et au premier pas du monde spirituel, nous avons les ancêtres. Nous avons les mêmes ancêtres. C'est ainsi que j'ai introduit, ou j'ai renouvelé, les principes d'avoir un altar pour les ancêtres. Nous devons apprendre à communiquer avec nos ancêtres et les maintenir à vie chaque jour de nos vies. Certains d'entre vous m'ont souvent dit, écoute, moi j'avais mon grand-père qui sortait derrière la maison, puis il parlait qu'il avait un problème. Oui, parce que Kama, l'Afrique, est un altar. Et nos ancêtres avaient la compréhension que le corps de l'homme était un altar. Et l'Afrique en soi était un altar. Et il y avait cette conception, cette intelligence, ce niveau de développement de conscience qui faisait de Kama un altar. Mais aujourd'hui, Kama est souillé. C'est pourquoi vous avez besoin des altars personnels à la maison chez vous. Vous avez besoin de créer un altar pour les ancêtres. Y mettre les photos de vos ancêtres. Y mettre les représentations des quatre éléments. À la question comment construire un hôtel. Très simple. Un hôtel peut être de divers types. Ça peut être une petite table. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus construit comme c'est Aforemuka. Dans la culture couche Kamit Congo, nous disons altar, nous appelons Aforemuka. Et dans la Aforemuka, nous remplissons les rituels du Tambiko. Le Tambiko signifie l'art de verser l'eau pour les ancêtres qu'on appelle aujourd'hui la libation. Le Tambiko. Souvenez-vous, Tambiko et Aforemuka. Et pour construire un aforemuka, vous avez à la base besoin de quatre éléments.
un élément qui représente le feu, une bougie, le feu est toujours mis à l'est. À l'ouest, vous avez besoin de l'élément l'eau. L'eau est représentée par une petite bolle d'eau. Au nord, nous avons besoin de l'air, l'élément de l'air. L'air est représenté par la sang qui brille, la fumée qui monte. La fumée représente l'air. Et au sud, nous avons la terre qui peut être représentée par un cristal, un pot de terre ou une branche d'arbre. Un petit branche d'arbre, tout représente la terre. La terre, nous avons donc, je disais, un cristal. Comme on peut voir, ce cristal qui est là, énorme, représente la terre. Tout cristal représente la terre. Tout ce qui sort de la terre, c'est-à-dire nous avons les cristaux, nous avons les pierres, représente la terre. Et au milieu de ces quatre éléments-là, nous avons un espace vide qui représente les éthers. Et j'ai expliqué c'est quoi éther. Éther, ce qui est important dans l'éther, c'est les trois premiers mots, E-S-T-S, F, E-T-H, F, éther. Éther est écrit E-T-H-E-R. C'est cette terre-là qui vient de Keter, Ka signifiant les chevaliers qui cavalquent les terres. C'est quoi l'éther? L'éther, c'est la substance numéro un, fondamentale. C'est de l'éther qui naissent les quatre autres éléments en faisant une spirale. L'éther est au milieu et il part une spirale qui passe par la fumée représentant l'air. L'est, c'est-à-dire la bougie représentant le feu, passe par la pierre représentant la terre et arrive à l'eau représentant, disons, au bol d'eau représentant l'eau. Et l'étambique, c'est-à-dire la forêmouka est conçue en représentant une sphère, une spirale, la spirale de la vie. Les foremuka est un ankh. La spirale de la vie est ankh. Le mot est ankh. Ce sont les quatre éléments fondamentaux pour construire un tambiko. Maintenant, une fois que cela est fait, vous devez la remplir. Vous pouvez y apporter des photos de vos ancêtres d'un côté. Et quand vous, après que vous avez fait votre lecture énergétique, maintenant, ils vous seront donnés les noms des esprits. Et maintenant, vous pouvez trouver des statues représentant ces esprits qui sont nés avec vous. Vous pouvez trouver ou justement imprimer les photos des esprits qui marchent avec vous et les avoir sur son aforem. Eh bien, là, nous avons, à ce temps-là, construit l'altar pour les esprits et pour les ancêtres. Pourquoi il faut ces deux éléments-là? Parce que les ancêtres sont très importants, fondamentaux. Quand vous regardez dans cette théologie chrétienne, vous verrez qu'on parle toujours d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir une interaction directe avec les esprits, même quand il s'agit de vos propres esprits. Pourquoi? Les esprits sont incarnés avec, se sont incarnés avec vous avec une mission bien déterminée. Et tout ce qui se passe de votre vie ne les intéresse pas, d'autant plus que les esprits ne vivent pas la vie des humains. Ils ne comprennent pas. Quand vous demandez à votre esprit, j'ai des problèmes d'argent, je n'arrive pas à trouver un travail. Non, ça ne lui intéresse pas. Lui s'intéresse quand vous avez des gens, vous avez des problèmes de santé, cela peut compromettre la mission, ils interviennent. Quand votre vie est en danger, ils interviennent. Ils peuvent vous donner leur force pour vous battre, pour vous sauver. Quand il faut vous sauver, c'est toujours, mais les esprits, même les vôtres ne comprennent pas que vous vous sentiez mal ou que votre femme vous a quitté ou que votre mari vous a quitté, que vous êtes triste, et que vous avez, oui, peut-être si vous avez faim, oui, mais que vous ayez perdu un travail, ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi vous avez besoin des ancêtres qui ont été des humains et comprennent les difficultés qu'il peut y avoir dans la vie humaine. C'est pourquoi quand vous vous souvenez,
chez les catholiques, il vous dit Saint Antoine précède pour nous auprès des. Parce que le Saint Antoine était un être humain.